Il y a plusieurs définitions. On pourrait imaginer que la limite, c'est la bulle du Soleil, la fameuse héliosphère, donc qui est le champ magnétique du Soleil, qui nous protège en fait des particules électriques du cosmos. Cette limite, elle s'étend jusqu'à 80-100 fois la distance Terre-Soleil. Mais une autre définition serait simplement, logiquement, la limite de l'influence gravitationnelle du Soleil. Où cesse l'autorité gravitationnelle du Soleil? Qui pourrait la contester? Eh bien, le Soleil, la plus proche étoile du Soleil est Proxima du Centaure, donc la limite du système solaire serait à peu près quelque chose à mi-chemin entre notre étoile, le Soleil, et Proxima du Centaure. Donc Proxima du Centaure se trouve à 4 années-lumière, eh bien la limite serait grosso modo autour de 2 années-lumière. Et c'est là qu'on place le dernier réservoir des petits corps du système solaire, qui est le nuage d'or, ce grand nuage sphérique de comètes.